Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo stock rangement soins. Donc voilà les deux tours. Alors ici j'ai un beau coffret, une belle boîte de chez Lush que j'ai eu à Noël. Et dedans il y a plein de bombes pour le bain. Donc une comme ceci. Voilà. Donc voilà, plein de bombes pour le bain de chez Lush. Un beau coffret de Noël. Voilà. Donc également, j'ai eu ce beau coffret aussi de Roger Gallet à Noël. Donc dedans, il y a une eau de toilette fleur de figuier, un savon, un gel douche délassant, un érupul pour nourrissant et une crème pour les mains. Donc voilà le beau coffret de Roger et Yalet. Alors, le premier tiroir, c'est tout ce qui est nettoyant, lotion et masque. Donc tout ce qui est nettoyant. Alors dernièrement, j'ai acheté l'huile démaquillante THC. Ici, j'ai une lotion à Estée Lauder. J'ai un masque Skin Minute en tissu, des masques The Body Shop du calendrier de l'Avent, un coffret clinique, un nettoyant, une lotion, une crème. Ici, j'ai un savon Kaolion, savon citron saponifié à froid Carangia, un savon Diadermine, un savon d'Alep. Donc ici, j'ai lotion et foie clair de La Roche-Posay, un gel nettoyant à Estée Lauder, deux gels nettoyants Hydra Végétal d'Yves Rocher, un nettoyant Rennes, un masque individuel de Balia, une mousse L'Occitane, Pivoine pure, un gel nettoyant Melvita, un baume démaquillant à Estée Lauder, un démaquillant doux pour les yeux de Body Shop Camomille que j'ai dans le calendrier de l'Avent. J'ai du savon pour les mains. Donc voilà tout ce qui est nettoyant. Et ici, j'ai un petit masque Yves Rocher. Donc voilà ce qu'il y a dans le premier tiroir. Le deuxième tiroir, c'est tout ce qu'il y a comme hydratant pour le visage. Donc j'ai une crème Carins pour peau mixte, une petite crème Sephora, une crème Rennes, deux crèmes Hydra Végétal Yves Rocher, soin hydratant matifiant de Nocibé, Jean Zac, le sérum et la crème, une petite huile de chez Nux, une crème Pivoine pure de L'Occitane, une crème matifiante Kiko, une crème purifiante de Paysage, le gros pot crème légère de Sephora, deux crèmes de chez Garnier, une crème The Body Shop, une crème Estée Lauder avec le sérum. Donc voilà tout ce qui est en soins hydratants pour le visage. Troisième tiroir, c'est tout ce qu'il y a comme hydratant pour le corps. Donc j'ai deux pots de Nivea Soft, un petit lait White Mess de The Body Shop, un petit lait de The Body Shop Al Coco, un petit lait Yves Rocher Framboise Menthe Poivrée, un petit beurre corporel Miel et Lait de The Body Shop du calendrier de l'Avent, une crème Skin Minute Visage et Corps, un beurre corporel The Body Shop, voilà, une crème pour le corps Tradition de Mamie Brochet, une crème pour le corps Les Hydratants Hydratation de Yves Rocher, Expert Réparation Les Réparateurs Portrait Sèche de Yves Rocher,
Un beurre corporel Nectar of Beauty à l'huile de noix de Carrefour. Nectar of Beauty, grenade et pépins de framboise. Un gros pot Balea à la vanille. Et un énorme pot Sephora beurre corps super nourrissant. Donc tout ce que j'ai en réserve en hydratant pour le corps. Dernier tiroir, il y a des gants de toilette, fleur de douche, dissolvant, éponge rongeable, des éponges pour le nettoyage, des éponges, boîte pour les ongles, pierre ponce, tout ce qu'il y a pour les pieds. Donc voilà pour la première tour. Donc la seconde tour, il y a du dentifrice, jambon sec Baptiste. Chéri et original. Dernièrement, j'ai acheté un gommage Rituals of Sakura, celui-ci. Aoen Tropic, une crème solaire pour le corps. Une crème solaire de Clarins. Un Tima que j'avais eu pour mon beauté. Un petit shampoing The Body Shop, calendrier de l'Avent. Deux shampoings Pureté Yves Rocher pour cheveux gras. Des cotons-tiges. Et L'Oréal Alvital, un masque, donc SF, que j'avais acheté au DM. Donc, voilà pour le premier tiroir. Deuxième tiroir, c'est tout ce qui est gel douche. Donc il y a du sel de bain, du gel douche Yves Rocher, Cottage, Tahiti, Yves Rocher, The Body Shop, La Belle Barba Papa, gel douche Balea, du Cadom, du Dop. Donc voilà tout ce qui est gel douche. Troisième tiroir, c'est tout ce qui est parfum. Donc j'ai la Vie Belle de Lancôme. Ici, c'est tout ce que j'ai en échantillon de parfum. J'ai mon autre voyage, la petite robe noire de Guerlain. Comme une évidence, Yves Rocher. Collection été aux toilettes Yves Rocher. Fragonard Mademoiselle Amour. Spicissam de Nocibé, Fleur Médeillas de l'Occitane, Vanille Bourbon du Rocher et une brume Victoria's Secret vanille et noix de coco. Donc tout ce que j'ai en parfum. Et le dernier tiroir, c'est déodorant, un Balea Sensitive, un Rexona 0%, un beurre pour les lèvres à la fraise, un baume pastèque pour les lèvres et des crèmes hydratantes. Sephora, Yves Rocher, The Body Shop, L'Occitane, voilà toutes les crèmes pour les mains. Donc voilà tout ce que j'ai comme produit en réserve. Qui n'est pas entamé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.